vous qui avez créé ces fichettes, Tous les fichettes, on doit les expulser. Pas un candidat n'a parlé des morts à Nice. Le Bataclan. Et ça continue, Parce qu'ils caressent dans le sens du poil les musulmans de France. Moi j'étais musulman, je ne le suis plus. J'ai honte. Il faut traduire en justice tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche. C'est une honte, j'accuse, comme le disait un écrivain français. Voilà, et ils viennent parader là sur le sang d'un policier qui a perdu la vie. Moi, Farid, j'accuse tous les gouvernements, ils sont responsables de tous ces musulmans, et celui qui vous parle est musulman, qui turbanent leurs femmes et qui matent nos femmes. Où est Madame Simone Veil, Madame Badinter, pour interdire cette connerie du foulard? Ces gouvernements, ces présidents qui vont serrer la main des Saoudiens, alors que la femme n'a pas le droit de conduire. Et on se dit, nous sommes à l'Elysée. Eh ben zut, alors j'ai honte. Vous qui avez créé ces fichettes, Tous les fichettes, on doit les expulser. Pas un candidat n'a parlé des morts à Nice. Le Bataclan. Et ça continue. Et hier, ils ont ouvert tous leurs grandes gueules. Parce qu'ils caressent dans le sens du poil les musulmans de France. Moi, j'étais musulman, je ne le suis plus. J'ai honte. Il faut traduire en justice tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche. C'est une honte, j'accuse, comme le disait un écrivain français. Voilà, et ils viennent parader là sur le sang d'un policier qui a perdu la vie. Moi, Farid, j'accuse tous les gouvernements, ils sont responsables de tous ces musulmans, celui qui vous parle est musulman, qui turbanent leurs femmes et qui matent nos femmes. Où est Madame Simone Veil, Madame Badinter, pour interdire cette connerie du foulard? Ces gouvernements, ces présidents qui vont serrer la main des Saoudiens, alors que la femme n'a pas le droit de conduire. Et on se dit, nous sommes à l'Elysée. Eh ben zut, alors j'ai honte.